on est parfois obligé de faire quelque chose de mal pour qu'il en ressorte du bien. Je t'ai suivi seulement parce que je croyais que t'avais un plan. Tu crois vraiment que dans ce genre de situation, on peut avoir un plan tout trouvé? Mon MyDrugs 2.0 transformera pour toujours les habitudes d'achat de drogue en ligne. Le lancement officiel, c'est dimanche qui vient à minuit, alors? Je préférerais avoir l'avis d'un expert avant de le mettre en ligne. Tu nous avais donné ta parole. On n'est plus amis, ça je l'ai bien compris. Qui ira en taule en premier? Je dirais Moritz. Mais ce serait quoi sans crime? Propagation d'ennui mortel? J'ai vraiment besoin que tu m'aides. J'ai fait n'importe quoi. Oh, merde. On a commencé ça ensemble. On le termine ensemble. J'ai commencé ça tout seul, techniquement. Oh, les gars! Il y a quelqu'un qui est au courant de nos activités illégales, vous vous rendez compte du danger? Moritz, on vend de la drogue. Mais ben, ça empêche pas d'avoir une éthique. Et voilà, envoyé à 1 200 000 contacts. Y a plus qu'à attendre, c'était presque trop facile. Il suffit d'avoir des amis. Quand on peut conquérir le monde. Voilà, bravo, je l'avais dit. Tout est bien qui finit bien, hein? Pour cette fois, mais il se passera quoi la prochaine fois que tu joueras du flingue? Je sais même pas m'en servir. C'est pas comme s'il y avait 50 boutons. T'as totalement perdu le contrôle, Moritz. Très honnêtement, je m'en tape que vous me croyez ou non. Tu décides plus de rien maintenant. Ça me réussit bien le trafic de drogue. Bah tu sais, dans quelques années, on se marrera bien en repensant à tout ça. Hein? Et on se fera du pognon en vendant notre histoire à Netflix. Enfin bon, ils risquent de nous dire que c'est pas très crédible. Personne croirait ça.